m'appelle Jade Frémont, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur agronome à l'ESA. Et je suis passée avant par une année de médecine. J'ai fait 6 mois de médecine avant de rentrer en première année d'ingénieur. En fait, en médecine, on était vraiment très enfermés, on était séquestrés chez nous, à réviser sans cesse, aucune relation sociale, rien du tout. Et c'est vrai que ça m'a fait me rendre compte que ce que je voulais, c'était travailler en extérieur, être vraiment au contact de la nature et avoir une vie étudiante même à côté de mes études. C'est un parcours auquel j'avais déjà pensé avant médecine, à faire plus une prépa BCPST pour après continuer et faire un concours en grandes écoles. Et on m'en avait déjà parlé. Et je m'étais dit non, ce sera pas pour moi. Et en fait, à force de parler avec des gens qui étaient à l'ESA et qui avaient obtenu le diplôme d'ingénieur agronome, c'est vrai que ça m'a fait changer d'avis au fur et à mesure. Mais je suis très contente d'être venue au final. Donc. Ce que j'aime beaucoup dans la formation d'ingénieur agronome, c'est la diversité parce que on fait vraiment plein de matières différentes. Donc on n'est pas du tout axé que sur l'agricole comme on pourrait peut-être le penser avec le nom d'ingénieur agronome. Et c'est vrai qu'aussi la formation en tant que telle à l'ESA, elle est vachement bien parce que la vie étudiante à l'ESA est super riche, donc on n'est pas que focus sur la formation, on est tous ensemble à suivre une même formation et à faire des activités ensemble et c'est super, super sympa. J'aimerais continuer ma formation en apprentissage, en production animale et plutôt dans le conseil d'élevage pour petits et grands ruminants.